Bonjour amis de la santé naturelle. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes et qui peut devenir très inconfortable rapidement, l'atout persistant. Si vous vous trouvez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul et ensemble, nous allons explorer les causes possibles de cet atout et découvrir comment la soulager naturellement. Isabelle, je suis passionnée par une vie saine et je partage sur cette chaîne mes découvertes, mes expériences pour vous guider sur le chemin du bien-être et de la santé, de l'énergie, de la vitalité. Peu importe votre âge ou votre condition physique, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Tout d'abord, rappelons que l'atout est une réaction, une défense naturelle de notre corps. Elle nous permet de nous protéger. Elle permet de protéger nos voies respiratoires contre les agents irritants comme la poussière ou les sécrétions, mais parfois elle dure plus longtemps que prévu. Et c'est là que ça devient préoccupant. En général, une toux devient persistante lorsqu'elle s'étend sur plus de 3 à 8 semaines. À ce stade, il est important de comprendre pourquoi elle persiste. Et quelles sont les causes possibles d'une toux persistante ? Dans un instant, je vais vous proposer des remèdes naturels. Maintenant, nous allons explorer ensemble les différentes raisons qui peuvent être à l'origine d'une toux qui traîne. Et tout d'abord, les infections respiratoires prolongées. Il n'est pas rare que la toux persiste même après la guérison d'une infection comme un rhume ou une bronchite. Cela s'explique souvent par une inflammation résiduelle qui continue à irriter nos voies respiratoires. Vous vous reconnaissez peut-être dans cette situation. Soyez rassurés, il existe des solutions pour apaiser cette irritation. Ensuite, il y a le reflux gastro-œsophagien. Saviez-vous que l'acide de votre estomac peut être responsable de votre toux? Les remontées acides peuvent irriter votre gorge et provoquer une toux persistante, surtout après les repas ou en position allongée. Si vous avez des sensations de brûlure d'estomac en plus de la toux, cela pourrait être une piste à explorer. Cela peut être aussi l'asthme. Vous avez du mal à respirer ou vous ressentez une oppression thoracique, surtout la nuit ou après un effort, cela pourrait être un signe d'asthme. Une cause fréquente de toux sèche et persistante. Ne paniquez pas, mais écoutez votre corps et consultez si ces symptômes vous semblent familiers. Ou encore les allergies et irritants environnementaux, que ce soit la poussière, le pollen ou même certains produits ménagers, les irritants peuvent déclencher une toux chronique. C'est particulièrement vrai si vous vivez dans un environnement où ces éléments sont fréquents. Vous avez l'impression d'être souvent exposé à ces allergènes. Un petit changement dans vos habitudes ou l'usage de purificateurs d'air peut déjà faire une grande différence. Enfin, et même certains traitements comme ceux contre l'hypertension peuvent provoquer une toux sèche. Si vous avez commencé un nouveau médicament et que votre toux est apparue à ce moment-là, parlez-en à votre médecin. N'hésitez pas à évoquer cela lors de votre prochaine visite médicale pour réajuster votre traitement si c'est nécessaire. Maintenant que vous avez vu les causes possibles, passons à ce qui vous intéresse sûrement le plus. Comment soulager cette toux de manière naturelle? Heureusement, il existe plusieurs remèdes doux et efficaces que vous pouvez essayer chez vous. Le miel est bien connu pour ses propriétés apaisantes. Une cuillère de miel peut faire des merveilles pour tapisser votre gorge et calmer l'irritation. Et en plus, il est délicieux. Une petite douceur avant de dormir, c'est à la fois réconfortant et apaisant. Les tisanes de thym. Si vous cherchez un remède plus herbal, le thym est une plante formidable. En infusion, il va apaiser les voies respiratoires et il possède des propriétés antiseptiques. Ajoutez-y une touche de miel pour renforcer son effet et adoucir votre gorge encore davantage. Les inhalations de vapeur d'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle comme l'eucalyptus peuvent vraiment soulager l'irritation. La vapeur aide à fluidifier les sécrétions et à dégager vos voies respiratoires. Prenez un moment pour vous, respirez lentement et laissez la vapeur faire son effet. Et avant de vous présenter le quatrième remède, si la vidéo vous plaît, pensez à la liker, à vous abonner. Cependant,
ne sous-estimez pas le pouvoir d'une bonne hydratation. Boire de l'eau régulièrement permet de garder ses muqueuses humides et faciles. Il facilite l'élimination des sécrétions. Pensez à toujours avoir un verre d'eau à portée de main, surtout en cas de toux persistant. L'ail et le gingembre sont deux ingrédients naturels et sont des puissants alliés. L'ail a des propriétés antimicrobiennes et le gingembre est anti-inflammatoire redoutable. Les incorporer dans votre alimentation peut vraiment aider à renforcer votre système immunitaire. Un peu d'ail et de gingembre dans vos repas, c'est à la fois bénéfique pour votre santé et délicieux pour vos papilles. Quand faut-il consulter un médecin? Même si les remèdes naturels vont vous apporter un grand soulagement, il est essentiel de savoir quand consulter un médecin. Si votre toux dure plus de 2 mois ou si elle s'accompagne des symptômes plus graves, comme des douleurs thoraciques, de la fièvre ou des difficultés respiratoires, ne tardez pas à demander un avis médical. Votre santé mérite toute votre attention, alors n'hésitez pas à écouter votre corps. La toux persistante peut être inconfortable, mais en identifiant les causes et en adoptant des solutions naturelles, vous pouvez grandement améliorer votre bien-être au quotidien. Rappelez-vous, votre corps vous envoie des signaux pour vous protéger et prendre soin de vous avec bienveillance et la meilleure réponse. Prenez le temps de vous écouter, accordez-vous le repos et le soin que vous méritez. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, aimez-la, partagez-la pour aider d'autres personnes à prendre soin de leur santé. Et dites-moi dans les commentaires quel remède vous avez hâte d'essayer en premier. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt pour d'autres conseils santé.